Je m'appelle Thibaut Duchamp, je suis infirmier référent musicothérapie au centre hospitalier Sainte-Marie de la Haute-Loire et je suis en fonction depuis 8 ans. Le projet consiste à la création d'une unité de musicothérapie au sein du centre hospitalier. Elle sera accessible à tous les patients, elle centralisera toutes les ressources possibles de la musicothérapie. Une fois terminée, la salle permettra les nombreuses prises en charge possibles par la musicothérapie et comme ça le patient aura accroché à la prise en charge qui convient. La musicothérapie, c'est le soin par la musique, le son, les cris. Il y a deux approches complémentaires qui sont la musicothérapie active, qui est la création de sons, de musique, de bruit, et la musicothérapie réceptive qui est plus sur l'écoute, le ressenti de la musique et des sons. Ça fait déjà 3 ans que nous avons entamé le travail de musicothérapie et on a une demande de plus en plus forte de la part des patients, des médecins, mais aussi des équipes sur le terrain. Et ça serait difficile de lister tous les bienfaits que l'on peut avoir, mais on a déjà remarqué un effet sur la relaxation, la maîtrise des émotions, mais sur aussi la communication et le développement des fonctions cognitives. La campagne va nous permettre de financer l'achat de matériel qu'on peut scinder en 4 grandes parties. Les instruments acoustiques et numériques, batterie, guitare, percussion, qui nous permettront de travailler un petit peu les praxis et de travailler la communication. La musique assistée par les ordinateurs avec la création de chansons, de musique, etc. par le patient. Un espace de relaxation qui nous permettra de travailler sur la maîtrise des émotions, la désescalade de l'agitation. Et une partie plus sonorisation pour arriver à avoir un bon son dans la salle et permettre aussi de sonoriser sur l'extérieur.